Sorry We Meet Said You de Ken Loach. Ricky et Amy tentent de construire un petit bonheur ordinaire dans la charmante ville de Newcastle. Ils rêvent, comme tous les couples du monde, d'un petit coin de terre partagé par toute la famille. Pour cela, ils triment dur sur la place du capitalisme qui ne les épargne pas. Abby s'occupe des personnes âgées à domicile, ne comptant pas sa peine et son temps. Le capitalisme voudrait qu'on les nomme des clients. Abby voit encore en eux des âmes sensibles au crépuscule de leur vie. Ricky ne garde pas un travail bien longtemps, sans que l'on sache la faute à qui. Il vient de trouver une dernière place qui pourrait bien concrétiser leur rêve. Chauffeur-livreur dans un système à son compte, il lui faut investir, malgré le surendettement, les mecs économies du couple. Jusqu'ici tout va bien, dit le proverbe. Abby vend sa voiture et prend les transports en commun pour cette nouvelle espérance. Jusqu'ici, dans la tourmente, la vie de famille restait le dernier havre de paix. Dans ce capitalisme effréné, on pouvait compter sur elle, prendre encore du temps pour savourer la joie d'être ensemble. Les dérives du système n'épargneront personne. Il est à craindre que la chute entraîne toute la famille et son fragile petit bonheur. Ken Loach dénonce une fois de plus avec force et vigueur, dans une démonstration sans faille, les dérives du capitalisme. Comment il broie dans ses mâchoires les derniers territoires du bonheur et de la famille. Il s'attaque à l'ubérisation qui coupe le travailleur des siens dans ce cercle sans fin qui l'entraîne vers la chute. Les dernières actualités ne semblent pas lui donner tort. Cette famille tient dans la tourmente parce que chacun comprend combien l'autre est le dernier havre où se reposer. Quand il ne reste plus aucune île pour poser son bagage, le navire finit par sombrer. Cette famille qui tenait malgré tout dans la tourmente sociale et capitaliste finit par éclater avec l'ubérisation. Il ne reste plus de temps pour comprendre, s'occuper d'un fils qui refuse le système et lutte à sa façon. Plus de temps pour dire je t'aime, savourer la candeur d'un soir d'été. Au départ, l'offre semble pleine de promesses, ouvrant les portes à l'accès d'un rêve autrefois impossible. Déjà se dessine au loin le petit foyer pour construire sa vie. Hélas, face à la dure réalité de la société, le rêve vole en éclats et le travailleur finit par comprendre qu'il est prisonnier d'un système qui ne lui laisse aucun espoir. Pour s'en sortir, Ricky n'a plus d'autre choix que de travailler encore et encore. C'est cette escalade que dénonce Ken Loach en partant de cette idée alléchante d'auto-entrepreneur. Il démontre un à un les rouages de la machine pervers dans ce qu'elle possède de plus négatif. Certes, il existe sans doute des réussites, mais pour quel sacrifice et combien ? C'est bien toute la question. C'est une mise en scène à l'image de tous ces films dans le style du mélodrame anglais réaliste. À chaque fois, il met en évidence la famille, Case en 1969, ou Family Life en 1971, l'État, The Navigator en 2002, les services sociaux, moi, Daniel Black en 2016, la nation irlandaise dans Le Vent se lève en 2006. Nous retrouvons dans toute son œuvre les organisations militantes, associatives, syndicales, permettant l'émergence d'une conscience de classe. Souvent, il dénonce l'individu corporel véable à merci broyé par le système capitaliste. C'est avant tout l'humain qui intéresse Ken Loach, plus que le social. C'est un réalisateur humaniste. Nous pourrions nous demander si dans cette société de l'argent, l'humain possède encore sa place.